السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة مع إخوة لنا وأيضا بناتنا معنا يستمعون الذكر. Avec nos frères et nos sœurs qui sont là pour écouter. حديث هذه الليلة. Le discours de ce soir. موجه للجميع. S'adresse à tout le monde. وبالأخص. Et à titre spécifique. المرأة. Aux femmes. المشرفة. Musulmane. ودورها. Et son rôle. في إصلاح. Dans la réforme. نفسها. De sa propre personne, وصوتها, sa famille, ومجتمعها. Ainsi que sa société. La femme, ainsi que l'homme, sont des règles qui les concernent. Sharia. Que ce soit dans la législation. فالعقيدة واحدة. Le dogme est le même. ما تعتقده المرأة وما يعتقده الرجل سواء. Ce que croit un homme et une femme sont pareils. وهناك أحكام خاصة. Il y a des règles spécifiques. للرجال. Aux hommes. للإمامة. Le fait de l'imam de gouverner. وبعض الأحكام الخاصة للرجال. Il y a d'autres. Les règles qui concernent aussi spécifiquement les hommes. Et il y a des règles spécifiques aux femmes. مترتبة عليها صحة العبادة وعدمها. Sur lesquelles donc il en découle la validité ou la non-validité de son adoration. كالنفاس والحيض. Comme donc les rochis et les règles. والحمل. Donc le fait de porter un enfant. والرضاعة. L'allaitement. والولادة. Donc l'accouchement. تعلق بجميع العبادات. Tous ces phénomènes sont liés aussi à l'adoration. الصلاة. La prière. والصيام. Le jeûne. والحج. Le pèlerinage. كثير تترتب عليها هذه الأحكام. Il en découle beaucoup de règles. إذن هناك أحكام عامة. Donc il y a des règles générales. للجميع. Qui concernent tout le monde. وهناك أحكام خاصة. Et il y a des règles spécifiques. للرجال. Pour les hommes. وهناك أحكام خاصة. Et il y a des règles spécifiques. للنساء. Pour les femmes. النساء لهن منزلة في كتاب الله. Les femmes donc ont une place dans le livre d'Allah. سميت سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء. Il y a une sourate entière qui porte donc le nom de sourate des femmes. ما في سورة اسمها سورة الرجال. Il n'y a pas aucune sourate qui s'appelle sourate des hommes. وهذا تشريف للنساء. Donc c'est une façon donc de rendre l'autorité à la femme. أن خص الله لهن سورة. خص الله لهن. الله لا spécifie donc. سورة كاملة في القرآن باسم النساء. Il dit une sourate complète donc pour les femmes. هذا التكريم الحقيقي. Donc ça c'est l'honneur. Le véritable honneur pour la femme. هذا الاحترام الحقيقي للمرأة. Et ça c'est le respect pour la femme. لا أن تجعل سلعة للعري. Donc, et non pas qu'on en fasse une marchandise pour la nudité. Et pour aussi assouvir les passions. المجتمعات. Les sociétés. رجال ونساء. Sont composées des hommes et des femmes. ذكور وإناث. Mâles et femelles. الإحصائيات. Les statistiques. العالمية مونديال تدل على مونتر ان عدد النساء اكثر من الرجال. لو نومبر دي فامي سوبيريور نومبر دي زام. وليس غريب.
et ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Beaucoup d'hommes laissent leur vie dans les guerres, ainsi que les accidents. De par leur voyage et déplacements, ainsi que donc comme les accidents de route. C'est pour ça donc les femmes elles sont plus nombreuses. Et même les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à la fin des temps, يصبح الرجل قيد على 50 امرأة. Donc un homme aura la responsabilité de 50 femmes. يعني تصبح عدد النساء 50 ضعف من عدد الرجال. Donc le nombre des femmes sera supérieur au nombre des hommes de 50 fois. ويقول العلماء في هذا. Les savants disent à propos de cela. لأن الرجال أكلتهم. Car donc les hommes sont absorbés par les épreuves. Donc la femme, elle se doit d'avoir une part dans ce séminaire. Ma mère est une femme. Ainsi que mon épouse. Ouf-t-il-ra. Ainsi que ma sœur. Bint-il-ra. Ainsi que ma fille. Je suis entouré de femmes. Elles ont donc le droit du respect. Et aussi de leur rendre ce qui leur revient de droit. Donc, la femme est une masse de sentiments. La réforme de la femme, il en dépend la réforme de la société. La corruption de la femme, c'est la corruption de la société. Et la femme est si dans le quartier, Chab, Salah. Un jeune pieux. وشاب فاسد. Et un jeune qui est pervers. كل منهم له أثر. Chacun des deux donc aura son impact. الشاب الفاسد ممكن يؤثر في المجتمع. Donc celui qui est corrompu certainement il va affecter la société. لكن المرأة الفاسدة. Mais la femme qui est corrompue. تؤثر على المجتمع. Son influence est sur toute la société. لأنها قد تفسد عدد كبير. Car elle peut faire corrompre un grand nombre. والعكس كذلك. Et le contraire est aussi vrai. صلاح المرأة يؤثر. La réforme donc de la femme. تؤثر على زوجها. Elle peut avoir des influences sur son mari. تؤثر على أخوها. Ainsi que son frère. تؤثر على ابنها. Ainsi que son fils. بل تؤثر على أبوها. Elle peut même avoir des influences sur son propre père et son grand-père. Voilà, donc voilà comment elle peut agir sur cinq sphères. Alors que c'est une seule femme. Donc, le fait d'accorder une importance à la femme. Donc, c'est une bienveillance qui a un but. Et aussi, c'est un message. Et donc, c'est un moyen aussi d'arriver au but à travers ce message. Donc, je vous ai dit auparavant que le Coran, il lui a accordé une importance et il lui a dédié une sourate complète. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. خصها بكثير من الأحكام. Il lui a aussi spécifié énormément de règles. غالب روايات الحديث. Une grande partie des hadiths. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
sont rapportées par les épouses du troisième Seigneur. Donc, la maison de la prophétie بيتولد. Est une maison de science. Aïcha Tadou. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte. Asma Tadou, Soliyat Tadou. Aussi Asma. زوجاتك كلهم عندهم روايات حفصة aussi ainsi chacune de les épouses de النبي صلى الله عليه وسلم a rapporté des hadiths ليس حديث ولا حديثين ce n'est pas un seul ou deux ولا ثلاثة ni trois آلاف الأحاديث des milliers même وكنا أمهات المؤمنين elles ont le titre des mères des croyantes مصلحات car elles réformaient مات النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر صلى الله عليه وسلم يمر. واستمرت الدعوة. إن الدعوة لم تكن يأخذ. واستمرت دور أمهات المؤمنين. Et le rôle des mères des croyantes a continué. فكثير روى الأحاديث. Nombreux donc sont ont rapporté des hadiths. عن أمهات المؤمنين. Auprès des femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. وعن النساء. Et aussi auprès des femmes. الصحابيات. Les compagnantes. أخرجوا جيل. Ils ont formé une génération. فريد. unique متميز qui se différencie مؤمن croyant لها مبادئ ثابتة qui a des principes fermes حققوا الأهداف ils ont concrétisé les buts من خلال الوسائل الشرعية à travers les moyens légiférés فتمت الرسالة et ainsi le message parvenu فصبحت بشرى et la société elle est devenue bonne تكرار هذا donc réitérer cela في كل وقت à chaque moment et à chaque instant, ce n'est pas quelque chose de très difficile. N'abda. Nous commençons. Abda ana. Donc, je suis le premier. Abda ana. Toi. نحن أولياء الأمور. Nous sommes donc les responsables des familles. تبدأين أنت يا بنتي. Et toi aussi, ma fille, tu commences. يصلح نفسك. Par ta propre personne. تعلم العلم. Apprends donc la science bénéfique. لا صلاح إلا بالعلم. On ne peut se réformer qu'à travers la science. العلم الشرعي. La science donc légiférée, différencier le vrai du faux, l'unicité de l'association, donc la sunna de l'innovation, le vrai du faux, le bien et le mal. Donc c'est à travers cette réforme qui est bonne pour toutes les sociétés. Comment réaliser cela? مثل هذه اللقاءات المباركة. De telles rencontres bénies. هذه الدورة العلمية. Ce séminaire. لا أستطيع. Je ne peux. لعدم وجود من يأتي بي. Car je n'ai pas quelqu'un qui peut m'amener. وأسرتي لا تساعد في ذلك. Si ma famille ne permet pas. الحمد لله. Donc je ne peux. الوسائل العصرية موجودة. Donc les moyens moderne existe. تستطيعين يا بنتي. Donc, tu peux, ma fille. أن تحضرين معنا. Être présente avec nous. وأنت في بيتك. Alors que tu es chez toi. من خلال. À travers. هذا النقل المباشر. Donc à travers la transmission directe. اسمعي العلماء. T'écoutes les savants. من خلال حافظات الصوت. Donc à travers. المواقع. Donc leur site. والقراءة. La lecture. إذن. Donc. إصلاح الذات ممكن. Donc se réformer ou bien s'auto-réformer est quelque chose de possible. À travers les moyens légiférés qui sont à disponibilité. Qui sont aussi conformes. À travers les grands savants. Donc de la même manière que tu choisis ce qui est le plus bon pour ton ventre, tu dois donc choisir la source, la meilleure des sources, à travers donc des grands savants, afin que tu sois donc, afin que tu aies une certitude, et que tu sois affirmé, et qui est, ainsi que tu détiens une preuve forte, celui donc qui fait l'ascension des montagnes, elle ne bouge pas. ليس كمن يمشي في وسط الوادي. celui qui passe la main dans la main de celui qui marche sur les vallées. أعني بهذا. je veux dire par cela. استنادك على جبال العلماء. le fait que tu t'appuies sur les montagnes qui sont. وقمهم. ainsi et leur sommet. يجعلك
كذلك تسير. ومن ترك الكبار ونزل للصغار كمن يمشي في الوادي ومن يمشي على رأس الجبل. Et celui donc qui délaisse les grands et qui suit les petits, donc c'est comme de la même, c'est comme celui qui marche donc sur les sommets et celui qui marche au pied de la montagne. Les savants sont contenus et confirmés à travers les premiers et les derniers. Si tu sais te réformer, ma fille, tu sauras aussi réformer tes sœurs. Tu leur apprends. وصرتي سبب خير. Et tu seras donc un moyen pour le bien. في بنات خربوا بنات. Il y a des filles qui ont détruit des filles. وفي بنات أصلحوا بنات. Il y a des filles qui ont réformé des filles. كوني صالحة بنفسك. Donc sois bonne en toi-même. مصلحة لغيرك. Et réforme-toi et réforme les autres. وإن وجدت نفسك ضعيفة. Et si tu vois que tu es faible. انسحبي. Donc retire-toi. حتى لا تغتري. Afin que tu ne sois pas leurré. وتخسري. الله تبارك وتعالى يقول الله donc notre Dieu dit dans ce sens وقرن في بيوتكم et donc demeurez dans la maison ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى donc et ne sortez pas donc de la même manière que la première jahiliya c'est-à-dire en islam هذا هو المصلح voilà donc la manière de se réformer الشارع la rue دوم أنت رجال دوركم أنتم يا رجال. ولا لا رؤية سياسية لرجال الزمن. المجتمع. car la société. الأمور عامة. il y a des choses qui sont générales. أمور خاصة. et des choses qui sont spécifiques. الطرقات. les rues. والأسواق. les marchés. والتنقلات. les déplacements. والمدن والبلدان. les villes et les pays. إذا لا مسلمون العلماء. ça c'est donc c'est العلماء. ما عرفنا أن النساء يتنقلن للدعوة. C'est eux qui font, c'est les ulama qui font ce qui se passe pour faire les femmes. Ce sont les donc ça c'est la responsabilité des hommes. Et toi donc déjà réforme ta propre maison. C'est ça ta place. Ta belle place. Ça c'est ton paradis. Chez toi. Donc dans la pudeur. La fierté. Le respect. ومن هانت تعرضت للمأمونة. donc et celle qui ne sait pas donc se respecter elle s'est exposée donc à l'humiliation. والمرأة ضعيفة. la femme en général est faible. ونحن الرجال. et nous les hommes. ديال. on est des loups. والمرأة. et la femme. فريسة سهلة. est une proie facile. انتبهي يا بنتي. prends garde ma fille. من الذئاب. في اللوم. وكل لعابه يقطر. يفترس. كل لعاب. لعابه يتقطر. voilà car donc sa salive elle coule de sa bouche. ليفترس. pour donc sauter sur sa proie. انتبهي لنفسك. donc prends garde ta propre personne. لا تثقين في الأجانب. et donc ne fais pas confiance à ceux qui sont étrangers. وأنتم انتبهوا لأنفسكم. et vous aussi prenez garde pour vos propres personnes. car ta femme elle fait donc tourner la tête à celui qui est le plus raisonnable et le plus sensé parmi vous. l'homme il est fort et il est faible face à la femme. et la femme qui est forte elle est faible devant les hommes. pourquoi s'exposer c'est pour ça qu'il nous a été interdit donc pour la solitude car le troisième est le shaytan mais maintenant il y a une autre façon de s'isoler vous savez c'est laquelle donc il y a la solitude maintenant électronique les mails donc sur les chats تانجو الواحد تانجو أنا أعرف أسمع كل تانجو أنا أعرفها كلها تانجو سكايب سكايب تويتر تويتر فيسبوك
هذا العقل فبعيد انهدمت بيوت بهذا السبب il y a des maisons qui ont été détruites à cause de ça. حصل طلاق. Il y a eu des divorces suite à ça. حصلت جرائم. Il y a eu des crimes qui ont eu suite à ça. حصل زنا. La fornication. حصل عري. Les femmes qui ont la nudité. سبب هذه الأشياء. À cause de ces choses. انتبهوا لأنفسكم. Prenez garde pour vos propres personnes. Ce sont donc des moyens pour en tirer profit. Et de la même manière, il peut être des moyens pour détruire et aussi pour nuire. La réforme de la société, il se fait à travers toi, ma fille, ou bien à travers toi, ma soeur. Ou à travers toi ou ma mère. Tout cela, donc en mettant l'effort, en mettant donc l'effort et, les, et en prenant les bonnes résolutions. Nous sommes à une époque donc de l'ouverture. Tu peux voir tout ce que tu veux. Les choses qui sont ici et les choses qui sont ici. Le vrai et le faux. Le bon, le mauvais. Il n'y a personne qui peut t'interdire. Si ce n'est ta foi en Allah. Si tu, si tu fais preuve de faiblesse et que tu tombes dans la faille, prends garde pour ta propre personne. Reviens à moi. Donc, on est tous sujets à l'erreur. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Et tu sais toi-même que tu fais des erreurs. Donc reviens. La porte est ouverte. La porte du repentir est ouverte. La porte de l'imploration du pardon. Nous avons un Seigneur généreux, Rahim. Très miséricordieux. Il accepte de repentir et il pardonne beaucoup de choses. Mais donc, et une bonne résolution. Prends garde en ma fille de toutes ces choses. Il y a tant de choses qui sont entrées par la porte par laquelle on voyait le bien. مستمرت حتى أصبحت شر. هي لا perdurer comme ça dans le temps jusqu'à ce qu'elle se transforme en vrai mal. سؤال. Question. سلام. Après c'est un salam. غلا. Après donc c'est un amour. حب. تعلق. Après donc on s'accroche, on s'attache. ثم. أشياء لا تقبل. Et il y a à la suite des choses dont Allah n'agrée pas. Donc la réforme de la société prend le commencement dans la réforme de ta propre personne. Ou toi, jeune et ou toi. Voilà, veillez à vous auto-réformer afin que vous donnez naissance à une famille pieuse. Et comme ça, dans ma société, elle sera bonne. Si ma, dans ma société, ta société, ma famille et toi, voilà, la société n'est composée que d'un nombre de familles. Si on réforme notre société, on sera bon. بالأمس قال لي أحد الأخوة. Pas plus qu'hier, il y a un frère qui m'a dit que les mosquées donc de Roubaix le vendredi, elles sont pleines. Je dis ça, c'est une bonne chose, c'est un bon indice. الناس هم الناس. Donc les gens sont, se restent donc toujours des gens. فهذا يدل على
عودة حميدة إلى الله. Donc ça, ça montre qu'il y a un vrai retour vers Allah. وهذا توفيق من الله عز وجل. Et ça, c'est une aide et un succès de la parole. يعني يدل على أن المرأة هنا لها دور في الإصلاح. Qui montre donc que la femme, a pris son rôle pour réformer. ليس فقط في روبين. Pas seulement à Roubaix. في كثير من المدن والدول. Dans plusieurs villes et plusieurs pays. أيها المرأة. Ô femme. استمر. Donc continue. لا تملي. Ne t'en lasse pas. استمري. استمري. لا تملي. Donc continue, ne t'en lasse pas. الطريق طويل. Le chemin est certainement très long. بحاجة إلى جهاد. Il demande beaucoup d'efforts. والصبر. De patience et d'endurance. أنت ترين كثير يلعبون. Donc tu vois d'autres personnes s'amuser autour de toi. يفرحون. Ils sont heureux. Dans les choses qui attirent la colère d'Allah. Et l'âme est faible. أصبري. Donc fais preuve de patience. Au paradis, il y a tout ce qu'on veut. Donc ils auront tout ce qu'ils demandent. Salam, parole d'un Seigneur miséricordieux. Donc, il faut faire preuve de patience. C'est Allah donc qui c'est auprès d'Allah qui cherche les efforts pour ce qu'on lui attribue. الصبر. La patience. الصبر. La patience. لا تستعجل الثمرة يا بنتي. Donc il ne faut pas s'empresser de cueillir les fruits. زوجك سيصلح. Ton mari très certainement il va revenir sur le bon chemin. أخوك سيصلح. Ton frère aussi. ابنك سيصلح. Ton fils aussi. أبوك كذلك. Ton père aussi. بنتي. Donc reste ferme. واستمر. Perdu. Tu trouveras tu trouveras donc très certainement celui qui se moque de toi, celui qui te fait tourner en dérision. Tu es extrémiste. Tu es quelqu'un de complexé. C'est très certainement c'est une maladie. Ils ne savent pas que ça c'est la foi en Allah. المعقد complexe من كان أسيرا لشهوته celui qui est emprisonné par ses propres passions المتشدد donc l'extrémiste والمتبع للشهوة البعيد عن رضا الله celui qui suit les passions المريض نفسيا celui qui est malade psychologiquement والذي أعرض عن الله وجعل الدنيا بين عينيه celui qui s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a fait de son objectif que ce bas-monde. Très certainement, ils ne trouvent pas donc, la joie que tu trouves au fond de toi. Le fait donc, et le fait que tu débarrasses de ta solitude auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc reste ferme. Et donc n'enlève pas donc ton voile. Ne délaisse guère la prière. لا تلهوين في الحياة. لا تلهوين في الحياة. Donc ne suis pas dans cette vie. ابتعدي عن الضيق العالي. Voilà, donc éloigne-toi des habits qui sont étroits. فأنت غزالة ستفترس كالذئاب. Tu deviendras donc, si c'est le cas, tu seras une gazelle qui n'aura pas d'être plus long trois pour les loups. بدون رحمة. Sont et qui n'ont aucune pitié pour toi. لا أقول هذا مهددا. Je ne dis pas ça pour te menacer. C'est une vérité. Et nous voyons dans plusieurs sociétés dans même dans la présence de cette nudité, il y a malgré ça donc des agressions et des vols. Qu'est-ce qui est le plus cher? Donc, voilà, qu'est-ce qui est plus cher, donc un bonbon qui est caché ou bien celui qui est découvert? Qu'est-ce qui est nombreux, ce qui est découvert? Et les gens ne sont concurrents pas pour l'acheter. Tout ce qui est bien emballé, les gens donc ils se concurrencent pour l'avoir. Les perles
on ne les expose pas. Et on les garde et on les préserve. صلاحك أيتها المرأة تعرفون أوفان يبني أمة يكونستروي une communauté ولذلك الأم مدرسة c'est pour ça donc la mère est une école إن أحسنت تربيتها si tu sais l'éduquer أخرجت جيل elle formera une génération متميز qui sera distinct هذه خواطر ووصايا Donc ça, ce sont des recommandations et des avertissements. Donc ce soir, c'est pour les femmes. Même les questions. Elles sont pour elles. Pouvez-vous donner un conseil pour les nouveaux mariés et quelles sont les erreurs à éviter? هل من نصائح للمتزوج لحديث العهد بالزواج وما هي الأخطاء التي يجب تفاديها؟ Oui. On a des conseils. Non. Puis il y a des conseils. أولا نقول بارك الله لكم وبارك عليكم لما بينكم في خير مطلوب. La première des choses c'est de leur faire l'invocation que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الزواج جميل. Aborder le sujet du mariage c'est quelque chose d'agréable. تزوجوا أيها الشباب. Mariez-vous les jeunes. تزوجوا الودود الودود. Donc mariez-vous les amis c'est. Car je vais concurrencer les communautés. يا بنتي. إذا أردت أن تكون حياتك سعيدة، وما في سكوبمني البيوغاز، اهتمي بعين زوجك، اهتمي بعينه، ولذلك، fais attention à ton âme، وأذنه، donc fais à que ce soit son regard ou à son ouïe، وأنفه، même à son odorat، كيف؟ comment؟ ليس الرصيد، ليس الرصيد، non non pas les avant، لا، لا يرى ما يغضبه. Il ne faut pas qu'il voit en toi des choses qui le mettent en colère. وَلَا يَسْمَعْ مَا يَغْضِبُ Et aussi, il ne faut pas qu'il entende des choses qui le mettent en colère. وَلَا يَشْمْ مَا يَغْضِبُ Il ne faut pas aussi qu'il sente ce qui lui attire sa colère. بِمَعْنَى آخر Dans d'autres termes, حَيَاتُكِ نَظِيمَ Voilà, donc que tu sois propre dans ta منزلك مرتب Ta maison ordonnée لسانك محترم Et avec des propos donc respectueux. لا تتطاولين باللسان. Donc il faut pas avoir comme on dit une langue. أو بالكلام. Ou bien avec donc avoir des propos qui blessent. أو بالصوت. Ou bien en élevant la voix. هذا جنتك ونارك. Donc ton paradis c'est ton enfer c'est ton mari. وصية النبي للنساء صلى الله عليه وسلم. La recommandation du prophète صلى الله عليه وسلم aux femmes. المرأة. La femme. إذا صلت فرضها. Si elle prie ses prières obligatoires et qu'elle jeûne le mois obligatoire et qu'elle obéit à son mari alors au paradis par la porte qu'elle souhaite ô ma fille donc c'est lui ton paradis c'est lui ton enfer Allah t'a éprouvé ça c'est ta vie ليس هناك حياة بدون مشاكل. Il n'y a pas de vie sans problème. بعض البنات. Certaines femmes. تريد الحياة كلها رومانسية. Elle veut mener une vie romantique. جميلة رومانسية. C'est quelque chose de beau. لكن لا تكون دائما. Mais ça ne veut pas durer. صار مشغول. يذهب يأتي. Le mari est préoccupé. Il parle de مشاكل. Il fait face à des problèmes. بيت النبوة. Dans la maison de la prophétie. ما خلا من المشاكل. N'était pas à l'abri des problèmes. والنبي يصلح.
Et le prophète sallam, il est voilà, il a des problèmes avec ses propres épouses. Et entre les épouses elles-mêmes aussi, il y a des propos. Alors que c'est le messager d'Allah. En d'autres termes, il n'y a pas donc une maison sans problème. Parfois, donc, le problème, c'est comme le sel dans un plat. لا تزيد. faut pas en mettre trop. وأحيانا تحصل مودة ومحبة بعد مشكلة. Et des fois donc il y a un amour et une affection qui sont créés après un problème. لا بد أن نكون محترفين. Il faut qu'on soit professionnel. لحل مشاكلنا. Pour résoudre nos problèmes. مشاكلنا مستمرة. Nos problèmes durent très certainement. لا يمكن يكون بيت. أنا بيتي فيه مشاكل. Dans ma propre maison, j'ai des problèmes. C'est vrai. Voilà, on n'est pas en train de parler donc voilà, on n'est pas en train d'avoir un débat philosophique, soyons réels. Je mets au défi celui qui n'a pas un problème chez lui, qui lève la main. Je le mets au défi. شخص يقول ليس في حياتي ولا مشكلة منذ تزوجت. Même les femmes, si on pose la question, très certainement, il n'y en a aucune qui va lever la main. Si tu vois que ta femme est en colère, préoccupe-toi par autre chose. Je n'ai pas dit qu'il faut fuir. Va au marché. غلط أو شيء يعني يهدأ المكان. pour que l'atmosphère va devenir un peu. أنت يا بنتي. et toi aussi ma fille. إذا شفت زوجك غضبان. si tu vois ton mari en colère. ولا ك. non. il vaut mieux ne pas parler. اسكت. retiens d'avant. نصيحة. ça c'est un conseil. إن تكلمت. si tu parles. مثل الغاز على النار. voilà c'est. ستزيد المشكلة. هو غضبان منفعل. وكيل يوم كولير. المرأة العاقلة. لا فام في سلمون كيس. إذا رأت زوجها قد على صوت. سيال بوا كل يوم بوست. وحمضت أوداجه. وشخصت عينيه. وكأنما هو مفترس. سي كوم سي ديفيا كوم كيلكان فيروس. تطلق رأسها في الأرض. بس لا تبي. ولا حتى يفرغ الشحنة. الشحنة هذه التي تجي يفرغها. jusqu'à ce que la décharge qui est envoyée elle se dissipe. بعدين. après. ستهدأ. très certainement les choses retrouveront leur cours. وكثير من العقلاء. et nombre c'est parmi les sages. يغضبون. se mettent en colère. وإذا هدأوا lorsqu'ils retrouvent leur calme ils s'excusent ويأتي يقول أنا آسف je regrette إذا قال لك s'il te dit أنا آسف je regrette لا تقولي روح امشي تتكلم علي ولا أن تقول كذا إذا قال il ne faut pas dire si bien il dit je m'excuse il ne faut pas dire va-t'en et d'après là qu'ils ont dit qu'il y a un as si ton mari te dit je ne dis pas que tu as haussé le ton et de parler il dit j'accepte tes excuses après cela on peut mener un dialogue là on peut réformer et réparer les problèmes si tu dis va-t'en voilà, donc il s'est rabaissé quelque part et il est venu vers toi donc reconnaissance dans l'erreur on recherche à résoudre un problème donc j'accepte des excuses avec quelques propos et quelques propos doux donc
لاباس يحصل الحمد لله. أنا السبب، الأولاد السبب، الريحة في البيت كانت السبب، ممكن أنت في العمل مشغول. بعض الناس يأتي من العمل مضغوط. أول ما يصل البيت dès qu'il arrive chez lui, الزوجة أمامه. Face à lui, بدل ما تخلع لباسه. Lui, donc, وتهيئ له الطعام. Lui, l'aider à ce... البيت كذا والبيت كذا وصاير كذا وعندنا كذا وفي كذا وحاصل كذا. يعني هو الآن جاي مضغوط. وهي المشكلة داخل البيت بعد. ممكن يرفع صوته خلاص. Vient avec des problèmes de travail, après non. Elle vient avec des problèmes qu'il y a dans la maison, très certainement il me faut s'enfuir. Donc, on la supporte un petit peu. De la même manière, où toi et vous, tu reviens de ton travail, tu es sorti depuis le matin, et tu es rentré le soir, elle toute la journée seule. 10 heures toute seule. Dès que tu rentres, وتأتي رافع خشمك. غضبان. En colère. ولا تريد أن تتكلم. Et tu veux que personne ne parle. هي تريد يعني شيئا من ما يعوض العشر ساعات. Tout ce qu'elle cherche, c'est quelque chose pour combler ce vide qui a duré pendant 10 heures. ما الفرق لو دخلت عليهم في البيت؟ C'est quoi la différence si Salam alaikum. Je rentre donc salam. كيف الحال؟ Comment allez-vous? Yo salam, l'enfant. قبلت أطفالك. حبيت أطفالك حبيبي تعال أنا ما شاء الله اليوم كيفك تعبان شوي تأخرت عليكم في العمل كيف حالك زوجتي كيف الحال بخير وأيضا يكون شيئا من الأمور التي بين الرجل وأهله حياة حلوة. Ça c'est une vie agréable. فقدتك عشر ساعات. Elle t'a pas vu pendant 10 heures. عوض هذا الفقد. Essaye de compenser ce vide avec des propos doux. موقف طيب. Donc, une situation honorable. Donc, des choses que vous savez très certainement. Voilà, et celui qui est marié, qui l'informe, celui qui l'est pas encore. Il est vrai ou pas? Il est vrai ou pas? Il est vrai ou pas? Il est vrai تقول امرأة إني مكثت مع زوجي وكان زوجها كثير الغضب كثير المشاكل كل يومين ثلاثة أيام عنده مشكلة في الشارع مشاجرة رجل ما يتحمل أحد فقالوا لزوجته لك 30 سنة مع هذا الرجل Ça fait 30 ans que tu es avec lui. Il t'a jamais, il n'a jamais levé la main sur toi. Il a dit non jamais. Jamais il a tendu sa main. Non jamais. Il t'a jamais répliqué. Il a dit non jamais. Comment? Parce qu'il se met en colère contre moi. Donc je le regarde pas. Je ne croise pas son regard et je ne parle pas. Voilà. Une femme intelligente. Comment se comporter avec les liens du sang innovateur qui nous appelle à leurs innovations et appelle ceux de nos familles à leurs innovations. كيف التعامل مع القرابة أو ذوي الأرحام الذين هم على بدعة ويدعون إلى بدعه. إن كانت البدعة من الشركيات. Si cette بدعة relève de la shirk. أو الكفر. Bien de la mécréance. لا بد من الحذر. Il faut très certainement prendre garde. Même si donc il n'y a pas donc des relations, des liens, il se peut que donc la personne soit éprouvée par un père ou une mère.
لا يستطيع أن يقطع رحمه. Il ne veut pas d'enfant des liens. ابتلاء. C'est une épreuve de Allah. لكن يهتم في أبنائه. Mais lui il fait attention à sa descendance. ويعلمه أن هذا الأمور غلط. Qu'il leur apprend tout ça, c'est quelque chose. هذا ليس صحيح. Ça c'est faux et c'est des erreurs. فيجعل لهم تحسين. Voilà, donc c'est comme s'il est vacciné. شفتوا الحقنة حقت التطعيم اسمه؟ فاكسن. يعمل لهم يعني هذه الأمور حتى يكون عندهم ردة فعل من هذا الشيء. ولا يصدر الزيارات يكون خفيف. كان يأتي مثلا بين الأذان والإقامة. ويعتذر بالصلاة. يعني يأتي في وقت حرج. Voilà, il vient donc dans des moments où il peut présenter une excuse pour partir. Voilà, donc d'une part, il ne rompt pas les liens, et d'autre part, il ne peut pas être influencé. Et en même temps, il fait d'ailleurs. Donc, au livre là-bas. Voilà, en leur donnant des livres, en leur donnant une cassette. What's up? أنا عارفه. قل واتساب. يستدعون. يعمل مجموعة. ويعلم. يشرون كلام العلماء. بعض الناس يمارسون البدع عن جهل والله. فإذا سمعوا كلام العلماء وسمعوا العلم استفادوا. Lorsqu'ils vont écouter les paroles des savants, ils vont très certainement prendre, ils vont très certainement bénéficier, avoir des bénéfices de cela. Pas que ça. Très bien. هذا السؤال تقول يا شيخ أريد أطلب العلم في المغرب. وأريد أن أتزوج أيضا فبماذا أبدأ؟ تريد طلب العلم في المغرب وتريد الزواج تزوجي يا بنتي تزوجي الزواج مقدم إذا تزوجتي حصنتي فرجك واطلب العلم. Voilà, donc en te mariant, tu vas préserver ta chasteté et après demande la science. ما الموقف الصحيح من الذي يدافع عن التكفيريين ولا يقبل النصيحة ويزعم أنه سلفي ويطعن في بعض الأخوة السلفيين أن ما عندهم أخلاق. Donc, quelle attitude avoir vis-à-vis d'une personne qui défend donc les gens du sacrifice et qui n'accepte pas donc le conseil et qui prétend lui-même que c'est un salafi alors qu'il parle des frères salafis qui n'ont pas un bon comportement. هل الذي يدافع عن التكفيريين يعني هذا عنده أخلاق؟ Celui qui défend les takfiris, celui là prétend considérer qu'il a un bon comportement. يعني هؤلاء الذين عملوا ما عملوا في الصحيفة سبوا ضجة المسلمين في فرنسا والعالم كله يعني هؤلاء من الأخلاق أن نثني عليهم. Donc ceux qui ont fait donc ce qui s'est passé dans le journal donc les événements qui sont passés dernièrement ceux-là peut-on considérer qu'ils ont un bon comportement؟ هل هؤلاء رفعوا الإسلام والمسلمين وإلى سببوا للمسلمين كثير من الإحراجات؟ ceux-là ont-ils apporté main forte l'islam et les musulmans ou bien ont-ils plus aimé les musulmans et les musulmans l'islam et les musulmans dans la rien. Donc, l'attitude de cette personne ne nous représente pas nous les musulmans. Et le musulman lui incombe de faire ce qui lui relève comme obligation. Et on ne trouve pas vraiment étrange عندما يسب الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. lorsque les mécréants insultent le prophète صلى الله عليه وسلم. هو وهو حي. alors qu'il était vivant. سبوه. il s'était insulté. سموه سم.
qu'il a vraiment été insulté. سبوه في مجلسه. قال سام عليك يا رسول الله. Donc ils l'ont insulté même dans son assemblée des اليهود. Parce qu'ils sont passés à côté de lui. قال السلام سام عليك يا محمد. Au lieu de lui dire السلام عليكم, il lui dit السلام عليكم. C'est-à-dire clairement, sois sûr. قال عليكم. قال عليكم. Et sur vous aussi. في مجلسه. عائشة قالت عليكم اللعنة والغضب وتكلمت عليه. عائشة رضي الله عنها donc elle s'est révoltée, elle a dit que soit sur vous la malédiction et ainsi de suite. غضبت لرسول الله. Elle s'est mise en colère pour le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال ما؟ ما هي عائشة؟ قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال أما سمعت ما قلت؟ Il n'a pas entendu ce que j'ai répondu. Ah, le mot, allez, vous allez comment? Ils m'ont dit que la mort soit sur toi. Calam, le père, calam. Donc des propos par des propos. Calam, le père, calam. Rahma, andek. Voilà, donc, expose tes idées toi aussi. Ankar, le calam, ankar, le calam. Donc, eux, avec des propos, toi aussi avec des propos. Qatalou, qatalahum. Ils t'ont combattu, tu connais le combat. Hattou le sum, flak. Donc, lui en lui-même, le poison. Dans sa nourriture. لما أكل العضد. Lorsqu'il donc il a mangé. وفيه السم وقد نهش منه نهشة. Et donc lorsqu'il a pris un morceau et qu'il avait pris donc un bout et que il était empoisonné. فجعل الله اللحم والعظم يتكلم. Il a fait que ce morceau de chair et cet os il a parlé. ووضعه. Et il l'a reposé. صلى الله عليه وسلم. معجزة. Voilà donc c'est un signe de la force de l'esprit. سحروا. Ils l'ont même ensorcelé. وهو حي سحر. في مشتن ومشاطة. Dans un peigne. لبيد بن أعصم. لبيد بن أعصم celui qui a fait ça. يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est celui qui a fait ça pour le prophète صلى الله عليه وسلم. هذا عنده أخلاق هذا الذي يثني على هذا التكفيرين هذا اللي عنده أخلاق يعني. Voilà donc celui qui fait l'éloge de tekfirin celui-là. Celui qui a un bon comportement. الموقف منهم أن نحذر منهم ونحذر منهم. وأما السلبي يجب أن تكون عقيدتك صحيحة وعبادتك صحيحة وأخلاقك صحيحة. Quant au salafi, sa croyance, sa pratique et son comportement, tout cela doit être correct. Est-ce que la femme peut se rendre dans un hammam où elle prend une pièce seule? Entre-t-elle dans l'interdiction pour la femme de se dévêtir en dehors de chez elle? Si elle est accompagnée de son mari, il n'y a pas de problème. Donc quand on sort de la mosquée pour quelques minutes, puis on rentre, doit-on refaire la prière de la salutation du de la mosquée. Donc, إذا خرج الإنسان من المسجد لدقائق معدودة لدقائق معدودة ثم دخل المسجد فهل عليه تحية صلاة المسجد صلاة تحية المسجد؟ الذي يظهر لا ليس عليه تحية المسجد عيدا. Donc, si c'est le cas, est-ce qu'il en ressort de texte, c'est qu'il n'a pas à refaire cette prière. إذا خرج ونية العودة للمسجد. Donc si il sort dans l'intention de revenir. كان ذهب مثلا للوضوء. Par exemple, comme le fait de sortir pour faire ses ablutions. أو البيت قريب من المسجد. Ou bien que ça, la maison elle est juste à côté de la mosquée. النبي صلى الله عليه وسلم. Prophète صلى الله عليه وسلم. كان معتكف. Donc il faisait l'i'tikaf. واعتكف زوجته صفية. Et son épouse Safiya est venue le voir.
وذهب بها يقلبها إلى البيت. وحصل القصة المعروفة عندما تعجل الرجلين قال إنها صفية. ورجع المسجد. ورجع المسجد وهو معتكف. ولم يأتي أنه صلى تحية المسجد. الخروج اليسير بنية العودة لا يجب أن تصلي تحية المسجد. لكن إذا خرج ساعة ساعتين ثلاث ساعات ورجع لا صلي تحية. أما إذا ذهب للحمام ورجع لا شيء عليه. حتى وإن كان عند الحمام زحمة. Donc il n'y a pas à refaire, même s'il y a du monde et qu'il doit attendre un certain temps. Donc voilà ce qu'il m'en ressort des textes et la connaissance. J'ai toujours peur de lui faire du mal. J'ai été très attaché à elle et du jour au lendemain, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon amour pour elle, au point où Shaitan me tente de lui faire du mal. Donc, que faire, Cheikh? Sur Allah Azza wa Jalla, yajziyaka khayra al-jazaa' wa khayra alladhi takarramtum bihi. Amen. Thumma taqul bi annaha يعني تعاني من الوسواس سواء في صلاتها أو في عبادتها أو في عقيدتها وحتى مع طفلتها حيث مع أنها كانت مرتبطة بها جدا إلى أنها أصبحت اليوم فقدت من حبها لبنتها حتى أنها في بعض المرات تجول في خاطرها يعني أفكار أنها تريد أن تفعل لها يعني شيء من الألم فما هو الحل؟ لا الوسواس بالفرنسي وش؟ لا انت ما انت بموسوسات انت تدعي لنا وتقولين جزاكم الله خير على وقتكم ما تفعلها واحده موسوسه je ne pense pas que tu sois touché de l'osmose parce que quelqu'un qui de telle sorte il ne peut vous faire des invocations يعني خواطر شيطان قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترشي منك هذا الكلام ولا تفتحين المجال للتفكير واجلسي مع خواتك الصالحات واجلسي مع الطيبين من الصالحات استمعي للحديث استمعي لا لا وبنتش بنتش ما تسوي لس أذى ولا شيء لا ما في سواس ولا في استعوذي بالله من الشيطان بس واكتري من سورة البقرة كل ثلاث أيام أقريها في البيت. وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وإن شاء الله أمورك طيبة. حاولي دائما تكوني على وضوء. Est-il permis à l'homme de se servir de l'argent de sa femme? Si la femme n'est pas patiente par rapport à la prise de ses biens, peut-elle divorcer pour cela? إذا كانت لا ترضى بهذا ولا تسبع إليه فهل لها أن تسأل الطالب؟ عندها فلوس كثير؟ يعني هي تشتغل؟ الخواي؟ هي تعمل؟ سيأتي الخواي؟ أنت زوجتي؟ توتي صنعتي
في البيت وخدمة البيت إذا أذن لك هو بالعمل. بعض وقته منك ذهبت إلى العمل فيه. Donc qu'il t'accorde donc un certain donc le temps que tu dois lui donner pour le travail, donc tu peux travailler. أنت ما تبي من فلوسه ولا صار هو عنده فلوس. Toi, tu n'aimerais pas prendre donc de son argent si lui avait d'argent. التعاون طيب. Donc c'est une façon de s'aider, de s'entraider. والرجل الحر. Et donc l'homme véritable. يزيد امرأته ما يأخذ منها. C'est lui qui doit donner à sa femme, non pas il. زيدها ما تأخذ منها. زيدها ما تأخذ منها. Donc tu lui donnes mais tu ne prends pas. إلا أنها هي تعطيك. Si c'est elle qui te donne. شكرا لها. Merci. يا بنتي. Oh ma fille. تريدين المال ولا حياة الطلاق؟ Voilà donc tu veux quoi, l'argent ou bien la femme d'une femme divorcée, la vie d'une femme divorcée. على كل. أحيانا أنت تشتري له هدية بمبالغ ضخمة. Voilà, parfois donc tu lui achètes des cadeaux qui ont de la valeur. وهو أيضا يتعب يجمع لكم المال. Et aussi donc lui il travaille pour ramasser de l'argent pour la maison. على كل لا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها. Dans tous les cas donc il n'est pas permis à l'homme de prendre de l'argent de sa femme sans sa propre permission. والتعاون طيب. Mais s'entraider c'est quelque chose de bien. وأكرر. Je répète encore. عطها لا تأخذ منها. Donne-lui, ne lui prends pas. Et si elle te donne. Je suis une sœur reconvertie, alhamdulillah. Si je souhaite me marier, puis-je me retrouver seule avec mon tuteur et un autre homme, en sachant que mon tuteur n'est pas mon mahram. تقول في حالة إذا ما رغبت في الزواج فهي يحق لها أن تتواجد مع وليها ورجل آخر علما أن وليها ليس من محارمها. لا أعلم. لا أعلم. Donc sur quels critères faut-il se baser pour choisir son futur époux ? قلنا هي الشروط والمبادئ التي يجب أن تراعيها في اختيار زوجها. عندها ألبوم. الآن ألبوم. تختار. تختار. هي التي تختار. فهي المرأة هي تختار. ليس التي هي تختار الرجال. المرأة تختار. C'est là, c'est on demande une femme. La tachto. C'est pas elle qui demande un mari. La mana من أن تعرض المولية الصالحة نفسها على الرجل الصالح لا بأس. Donc il y a aucun mal si. أما إن أرادت بيت. Elle se propose comme épouse pour quelqu'un de pieux. أما إن أرادت ما هي صفات الزوج الذي توافق عليه. Maintenant si elle cherche quels sont les critères qu'elle doit prendre pour accepter son futur époux. فبعض البنات عندها شروط غريبة. Il y a certaines filles qui ont des conditions vraiment étranges. تريده جميل. Elle le veut beau. عنده مال. Riche. يحب السفر. Voyage. هذا ليس زواج. Ça c'est pas un mariage. كن صالح. Cherche la piété. من أتاكم ترضون دينه وخلقه. Celui qui vient vous demander alors vous agréez sa religion et son comportement. زوجه. Marie. أما بالنسبة للمرأة تنكح
On a choisi لأربعة أمور. Pour quatre choses. ما هي؟ Lesquelles? نريد شاب أعزب هو الذي يجاوب. Donc on veut un jeune qui parle et qui répond. أعزب تفضل. ما شاء الله. حسب ومال وجمال ثم ختم فقال فاظهر بذات الدين تربت يداك ولدينها اسحب السؤال هذه أسئلة النساء فقط ليس لكم لا لا هذه للنساء اليوم أنتم إن شاء الله غدا هكذا On a dit aujourd'hui, on a dit que les questions c'est pour les femmes. Oui, pas pour les femmes. Non. صالحة. خير لك في الدنيا وبعد موتك أو ولد صالح يدعو له. هذا اسمه في الشرع. العظم. العظم. منعها من النكاح. وعند الفقهاء إذا عضلها عضل غير مشروع. Si la prive de se marier alors qu'il n'a pas le droit, donc il est destitué de son tutorat. Et donc c'est le gouverneur qui prend son tutorat. Donc elle est demandée en mariage et tu la prives. Et tu veux exposer ta fille donc, pour les épreuves et travailler au milieu des hommes. Juste pour l'argent. لا بارك الله بالمال. الله ربنا كذا وكل بيت وكل بيت ديشان يجعلك تعرض عرضك للفتنة. Qui laisse, qui te laisse exposer ton honneur à l'épreuve. نصيحتي لهذا الأب. Conseil à ce père. إذا أتاه من يخطب بنته بكرة. S'il y a quelqu'un qui vient lui demander sa fille dès demain. أن يوافق ويزوجها. Qu'il la marie. وأنت يا بنتي. Et toi ma fille. ماذا أقول لك؟ Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Asmi. Patiente. Wadi Allah. Et invoque Allah. Allah yahmik wa yusturk. Qu'Allah te préserve. Amour muhsina. Ce sont vraiment des choses affristantes. أحيانا تكون خاصة ما تصلح للطرح. أنا أعتذر من بناتي بخصوص هذه الأسئلة. Donc il y a vraiment des questions qui relèvent de la vie privée et ainsi de suite. Et on s'en excuse de ne pouvoir les exposer ici. Donc. يعني لو قرأت. Si on les lit. لعرف من هي وعرف بعض الأمور ما يصلح. On peut savoir quelque chose qui relève de la vie privée si c'est pas quelque chose. فنقدم الأسئلة العامة على الأسئلة الخاصة. Nous accordons au préalable la place dans des questions qui sont générales. Donc, tout nous excuse.
quelle est la vie religieuse sur les rencontres dites muqabalat, qui ont pour but de voir le prétendant et de poser des questions sur les attentes concernant le mariage, tout cela en présence d'un tuteur. On est à وهدفها أن ترى يعني هذا الرجل الذي أتى يخطبها وأن تطرح عليه أسئلة فيما يخص يعني ماذا ينتظر من هذا الزواج وكل هذا بحضور ولي أمر. وهذا التقدم. الشيء سومنا ديفلوبي. الذي نعرفه. مستوش كوني. أن الرجل ينظر للمرأة. كلامي يرجع لفهم. النظرة الشرعية. Le regard que lui accorde au chari. ولا بأس في النظرة الشرعية. Il y a aucun mal dans. أن يسألها بحضرة أهلها. ولكن lui pose des questions en présence de son tuteur. ويعرف ذكائها. Voilà donc pour voir son intelligence. وحتى لو يسألها أسئلة في الحساب. Il peut poser des questions en calcul. ويقول لها مثلا سبعة في ثمانية كم. كم الجواب؟ سكتتم ما تعرفون. كم جواب خلاص. لذلك سبعة في ستة كم؟ على كل تجد هذه الأشياء تحصل أحيانا. لا بس. أو هي تسأله تعرفه. حتى لو يقول لها قومي. امشي. ينظر هي عرجة غير عرجة زوجتي ما أعرفه أنا حضرت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرى أن يؤدم بينهم بهذا المعنى يجوز أما بمعنى أن تتطور المقابلة Voilà, donc que ce qu'on appelle ce muqabala se développe. Voilà, donc ils sortent dans les cafés. Ils discutent ensemble. Voilà, pour faire connaissance. Et faire connaissance. Ils vont dans les jardins. Donc ça, c'est pas faire connaissance. Bon, ça c'est considéré donc c'est une solitude, une isolation qui sont interdits. Là, qui est interdite. Non. بعض الأسئلة الطويلة تحتاج 10 دقائق للدراسة. Il y a certainement les questions sont vraiment trop longues. C'est 10 minutes pour les lire. السؤال La question. اسمه سؤال. سابني كيستي. وليس اسمه قصة. سنبقى مستوى. بعضهم يكتب قصة كام. سافني زي كتب توني مستوى. تعيش معه في مشاكلها وأشواها. المحاضرات لا تصلح كذا. جهات الإفتاء أو جهات القضاء لا بأس تكتب الأمر كامل. Mais ceux qui sont spécialisés dans cela, il y a un problème de détail. Il y a deux calendriers de prière qui sont à notre disposition. Un qui a été mis en place par un institut salamien et un par l'UIF. Certaines mosquées suivent celui. Fait par l'UNEF, puis-je prier derrière vous. Voilà, maintenant, ta poémane, le salat. Ahanoua, c'est ça, l'imam salafi, ou l'afa, mon adam, t'intesibir le tafoua. Ou à part le message, t'aimes-tu à ta poémane, l'a dit, ou à part vous. وضعته يعني هذه الجمعية التي تنسب للإخوان. فما العمل؟ العمل أن تمشوا على التقويم الذي صار على فتوى المجمع الفقهي. Donc ce qu'il faut prendre comme repère c'est le calendrier qui a été établi par le مجمع الفقهي.
ما معنى مجمع التوحيد؟ Qu'est-ce que cela signifie? هو اجتماع فقهاء العالم. Voilà, donc c'est une rencontre dans laquelle il y a des فقهاء du monde entier. واجتمعوا في مكة. Et ils se sont réunis à la Mecque. وسمعت سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. Et moi j'ai déjà entendu donc le mufti actuel donc de la Mecque. سئل عن هذا. Et on lui a posé la question. قال نعم. Il a dit oui. عرض علينا. Il a été connu de notre part. وعدلت عليه الرابطة رابطة العالم الإسلامي. Et donc c'est la Ligue mondiale qui l'a pris en compte. والمجمع الفقهي. Et aussi le مجمع الفقهي. وعدلنا عليه. Et nous avons واستقر الأمر. Des réformes. وأصبح هو المعتمد. Et il est devenu donc. في جميع البلدان. Et donc il est devenu donc le calendrier qui est pris en compte dans tous les pays musulmans. فأمر اعتمده فقهاء المسلمين. Cela a été ordonné par les في هذا العصر. À cette époque. والرابطة. Et donc la ligue. هذا امشوا. Donc c'est celui-là qu'il faut suivre. وإن حصل شيء. Ici, chose qui arrive. فرقابهم وذمتهم تتحمل ذلك. Voilà, et c'est eux qui, s'il y a quoi que ce soit, c'est eux qui prennent la responsabilité. وبهذا تجتمع الكلمة. Et c'est ainsi qu'on va réunir donc nos troupes. Dans quel contexte la mixité devient-elle illicite? Exemple dans le travail, dans les parcs, les écoles, universités. Donc, ما هي المجال أو ما هو المجال الذي يحرم فيه الاختلاط؟ مثلا في العمل أو الحدائق العمومية أو المدارس أو الجامعات. هذا ليس اختلاط. Donc, ça, on ne peut pas considérer comme c'est une mixité. الناس في الأسواق ليس اختلاط. Donc, les gens se trouvent ensemble dans les marchés, ce n'est pas une mixité. في المطارات ليس اختلاط. Voilà, dans les aéroports, ce n'est pas une mixité. الاختلاط أن يكون الرجل يعمل مع النساء لوحده. Voilà, donc la mixité, c'est que l'homme travaille avec les femmes seul. الذي يكون فيه خلوة. Où on se trouve donc seul, isolé. أما الناس مع الناس والرجال والنساء. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ça se trouve donc depuis l'époque de النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نطوف بالكعبة رجال ونساء. on fait طواف autour de la Kaaba donc hommes et femmes. ليس اختلاط. ça c'est pas considéré comme. اختلاط ممنوع. ce qui est interdit. أن يكون الرجل مع المرأة. donc le fait que l'homme se trouve donc avec la femme. ليست محرم له. c'est donc il ne fait pas. ولا محرم لها. ويجلسون بالساعات الطوال مع بعضهم. ils restent donc des heures durant ensemble. ماذا تظن يحصل؟ que pensez-vous qui va arriver? الشيطان يقول. الشيطان très certainement. هذا الممنوع. voilà ce qui est interdit. وإلا نجعل المجتمع نساء فقط ورجال فقط. sinon donc on va faire que la société soit les femmes d'un côté et les hommes d'un autre. Faire le jeûne du mois de Ramadan sans jamais prier. Quel est le jugement? Ma hukm man yasum Ramadan wa la yusalli wa la yusalli abadan. مثل الذي يصلي بدون وضوء. C'est de la même manière que celui qui prie sans ablution. اللي يصلي بدون وضوء صلاته صحيحه. Si quelqu'un prie sans ablution, sa prière est acceptée. كذلك الذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل. De la même manière, donc, celui qui jeûne et qui ne prie pas, son jeûne n'est pas valable. لماذا? Pour quelle raison? لأن الله تبارك وتعالى يقول. Allah dit dans ce sens. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pour vous, les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindre le jour. الذي لا يصلي ليس متقي. Celui qui ne prie pas, il ne peut pas avoir un titre de celui qui est pieux ou qui craint. Inna al-muttaqin mafaza, hadaiq wa anaba, alhum al-jannah. Elle ne m'est pas dit, non. Ceux qui craignent Allah, ils auront le paradis. Celui qui ne prie pas, il sera placé en enfer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم dit. العهد الذي بيننا وبينهم.
الصلاه فمن تركها فقد كفر. Donc ce qui nous différencie deux c'est la prière, celui qui la délaisse c'est un mécréant. لو حج même s'il fait le pèlerinage وصام et il jeûne وزكى il donne la zakat ولا يصلي il ne prie pas لا rien n'est accepté. العهد الذي بيننا وبينه الصلاه. Ce qui nous différencie deux donc c'est la prière. ولذلك انظر ماذا قال النبي لمعاذ المذهب اليمن. Donc regarde aussi ce que le Prophète sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. إنك تأتي قوم أهل كتاب. Donc tu vas voir bien tu auras affaire à des gens du livre. أول ما تدعوهم إليه. Que la première chose à laquelle tu les invites. شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la profession de foi. وأن محمد رسول الله. Donc nul ne dit d'adoration si c'est Allah et que Muhammad sallam est son messager. فإن أجابوك لذلك. S'ils acceptent. أخبرهم. Donc, أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الله لا تقول الله دوني كم obligation puisque obligation c'est prière. فإنهم أجابوك لذلك. Si ils ont accepté. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم. Informe-les que Allah leur a prescrit la zakat. فشبه الصلاة بأمر العقيدة والشهادة بالإسلام. Donc il a ressemblé la prière à les choses qui relèvent du dogme. يقول عمر. عمر رضي الله عنه. من ليس له حظ في الصلاة. Celui donc il n'a pas une part à la prière. ليس له حظ في الإسلام. Il n'a pas une part à l'islam. تقارب يا أخي تقارب 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 وتراحم وإذا قيل لهم تفسحوا ها تفسحوا في المجالس يفسح الله لهم تفسحوا تقارب تقارب بارك الله تقارب اللي تقارب ما يسوي كذا يقوم يتقارب بارك الله تقارب ما شاء الله بارك الله نعم Que pensez-vous des chants appelés anajim? Ces chants sont-ils interdits dans leur globalité? Il est rapporté de manière authentique que les salafs chantaient quelques poèmes lors du combat, du travail. Ces chants rentrent-ils dans ce cas? يعني مطلقة لأنه صح أن بعض السلف كانوا ينشدون أشعار في جهادهم وفي عملهم فهل هذا يدخل فيها؟ هذا سؤال طيب جيد الدين الإسلامي la religion musulmane ليس فيه أغاني دينية Il n'y a pas de chant religieux. ما عندنا شيء اسمه ترانيم. هذه عند النصارى في الكنيسة. والترانيم التلمود عند اليهود. والبوذيين والهنادكة عندهم الغناء. والصوفية عندهم الحضرة. لا وعندهم طبل وعندهم دف في المسجد أغاني دينية ديننا فيها أغاني لكن أنا لما قلت أغاني دينية استغربت صح ولما أقول أناشيد إسلامية ما تستغربون صح Anachide islamique, on ne trouve pas ça étrange. Elle n'intéchera pas de anachide, anachide, anachide. Ce qui est répandu aujourd'hui, c'est plus de l'anachide. Ah, c'est une souvie, il y a des jama'ats qui utilisent l'anachide. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu de la part des soufis qui pratiquent ces chants. Celui qui chante, il ne peut pas prétendre se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le chant. Amma salaf, quant au salaf, ليس لهم أهل أغاني. لا يعرف عنهم هذا. ليس هذا بس شيء كي يكون. إن كان تقصد أيها السائل أو السائلة. Si à travers ta question tu veux dire. بأن هذا يوجد عندهم في المنظومات. Donc si il s'agit de poèmes. فالمنظومات لا تقال بالطريقة الموجودة في الأغاني.
Donc les poèmes, on ne peut pas les réciter de la même manière qu'ils sont dits dans et chantés comme des chansons. فالمنظومة أبتدي باسم ربي الإلهي وهكذا يعدها. أما الأناشيد جماعية. وهذا يتكلم. وذاك يردد. ونغمة الصوت. والإيقاع. والسلم. سلم وفي يعني سلم موسيقي يمارسون فيها ممارسة الأغنية ويتقرب إلى الله بالغناء ثم تقول الصحابة كانوا يمارسون هذا الصحابة ما كانوا يمارسون هذا كانوا في الخندق لما حفر الخندق كانوا يشيلون الرمل ومعروف بعض الأراجيز الحماسية التي يمارسها البنائين والبحارين وأصحاب الأحمال يمارسونها على إيش؟ على أنها تساعدهم وتنسيهم الحمل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كانوا يقولون الصحابة في حفر الخندق يحملون الأحجار يعني تنسيهم حماس. أما اليوم أغاني نسوان. Donc ça c'est une façon de les exhorter et de les faire oublier la charge de travail et de leur en fait pousser dans le travail. Alors qu'aujourd'hui les chants ce sont des chants comme c'était chants des femmes. Maya. Donc avec des propos de qui relèvent de la bassesse. Et ils l'écoutent beaucoup plus qu'ils écoutent le Coran. Donc ils trouvent plaisir, peut-être même elle lui fait pleurer. هذه شعار الصوفية. استريح يا أخوة استريح اجلس اجلس اجلس. Si on a fait une istikhara pour quelqu'un et qu'ensuite cette personne est venue et que l'affaire a été facilitée mais qu'ensuite rien ne s'est fait, la personne a changé d'avis. Comment interpréter cela alors qu'on l'a consulté avant? ثم أن هذا الخاطب أتى بعينه يعني يطلب المرأة للزواج ثم أن الأمور سالت عليه على منوال وتيسرت الأمور لكن فيما بعد هذا الشخص غير يعني من رأيه ويعني ترك هذا الإنسان تقول فكيف يعني تؤول هذه الأمور مع أنها قد استخارت الله اختار الله الفراق نطلب أن تفتك سي الله يشوزي نسل سفاس الحمد لله أنت ما فعلتي الاستخارة وما اختاره الله لك فانصرف الحمد لله هذا اللي اختاره الله تركي إن شاء الله يجيب الله خير منه ويرزقه خير منك faire si la femme n'a pas la capacité de faire l'école à la maison pour ses enfants, sachant qu'il n'y a pas d'école
d'école musulmane proche, et que l'école enseigne et donc la mécréance, et que l'État rend obligatoire l'instruction. إذا كانت المرأة عاجزة عن تدريس أولادها في بيتها علما أنها ليس هناك مدارس للمسلمين قريبا وأن التعليم هنا إجباري وفي بعض وفي المدارس يعني هناك أفكار كفرية وشركية فما العمل؟ ارجعوا بلد بون خشب accepte le divorce, celui-ci est-il toujours valable ou doit-il y avoir obligatoirement une indemnité, à savoir que le mari a refusé la remise de la dot et n'importe quelle autre indemnité. قال إذا خلعت المرأة زوجها ورفض يعني قبل الخلع ورفض أن يأخذ أي مقابل حتى المهر. فهل هذا الخلع مقبول ولا بد أن يأخذ الرجل مقابل؟ إذا طلقها كسم مرأي فهو ميولا ريبيتي انت إذا أخلان شوز كون رفعه هذا الرجل يستحق قبلة على رأسه. Cet époux, il mérite qu'on lui embrasse la tête. Donc, il l'a laissé, il lui a laissé toute chose. Donc, celui qui veut parler de moi, je lui laisse tout. Je n'ai rien de ce genre. Mais il aurait fallu le mieux de te divorcer. Ou bien on la garde avec bonté. Ou bien la laisser partir avec bienveillance. وهذا قد صرحها بإحسان. celui-là donc il l'a laissé partir avec bienfaisance. وفي مثل هذا يكون الطلاق. et dans ce cas-là c'est un divorce. نعم. un imam qui assiste à l'église le jour de Noël et avant la fête pour faire un discours. quel est son jugement? الإمام يدخل الكنائس ويحضر أعيادهم ويقوم بخطاب في كنيستهم فما الحكم؟ المسلم مسلم. المسلم هو مسلم. والنصراني نصراني. الكريتيان كريتيان. هذا له دين وهذا له دين. chacun sa religion. اللعب ما يصلح. Donc s'amuser, jouer, c'est pas quelque chose qu'il faut. Non. Donc, j'ai des doutes que mon mari a arrêté la prière, car la plupart de la journée il est dehors et quand il rentre, je ne le vois pas prier. Si cela s'avère exact, quel est et qu'il a arrêté la salade, donc que faire? قلت شكي أن زوجها ترك الصلاة لأنه غالبا اليوم خارج البيت وإذا دخل البيت لا تراه يصلي فإذا ثبت أنه قد ترك الصلاة فما الحكم؟ لا ما ترك الصلاة. Je pense pas qu'il a négligé la prière. سألتيه. Tu lui as posé la question. قلت له أنت تصلي؟ قال لا أنا ما أصلي. Tu lui as dit est-ce que tu pries? Il t'a dit non. كان صلى بره المساجد. Il se peut qu'il a prié dehors dans la mosquée. بناء الحياة على الظنون غلط. Donc faire une vie de couple qui est basée sur les doutes c'est une erreur. حلوة الحياة واضحة. Une vie heureuse c'est une vie qui est claire et évidente. مكاشفة. Voilà, tout est clair, rien à cacher. أما الظنون وأظن وأظن أنت تظنين وهو يظن. Je pense, je crois. الحياة تعبة. Ça. صعيبة. S'épuiser, se fatiguer, se lasser dans la vie. أبد. أنت ما تصلي. Pose la question clairement, tu ne pries pas. إذا قال لا ما أصلي.
في دينهم الإيمان. هنا تكون أحكام أخرى. Donc là, il en découle d'autres règles. قال لا أصل. Si d'ici je prie, donc c'est bon. والفجر صلي أنت. Et toi donc, au fin de vous prier avec Dieu. قومي صل. Voilà, il réveille pour qu'il prie. يمكن نسمت له تنامي. يمكن أنت مثله تنامي. Il se peut que même toi tu dors avec lui, tu pries pas aussi. قومي صل. Donc, ما تدرين الفجر هو يصلي ولا ما يصلي؟ يمكن أنت ما تصلي مثله. Donc, est-ce que le drapeau de Daesh est représentatif de l'islam? Et y a-t-il un mal à avoir ce drapeau? Daesh. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, هذا ديننا. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est notre religion. Rafida yaqulun muslimin. Même donc, Rafida se disent musulmans. Hitler. هتلر شعاره الصليب. son symbole c'était le شعار الكروس الصليب وهو رمز للنصرانية. والنصرانية ترفض هتلر. Et donc le christianisme rejette en bloc Hitler. ويبقى هتلر. داعش. وين اتخذت شعار الإسلام؟ ممسيل غوفاندي كان أمبلام الإسلام. المملكة العربية السعودية. بغواي العربية السعودية. رايتها. سون أمبلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فغايتها. سون أوبجيكتيف. في رايتها. دون سون أمبلام. أما هم غايتهم. كونت أ إيه لور أوبجيكتيف. تختلف عن رايتها. إيل با رونكونت دو لور أمبلام. اتخذوها شعار. Ils ont fait ça comme seulement un emblème. حتى يسقط الضعاف ويذهبون معهم. C'est un appât pour attirer les faibles d'esprit. إلى المحرقة. Qui les ramène donc dans l'incendie dans lequel ils se trouvent. وغدا ندعش داعش. Demain, inshallah, on va s'occuper de ça. وكلامنا عن داعش غدا. Le discours sera sur ça. غير. Par quel moyen le musulman peut-il se distraire à l'extérieur de chez lui alors que la mixité se trouve partout? Est-ce que le musulman a le droit de se distraire dans les lieux préparés à cet effet comme les parcs d'attractions, parcs de promenade, forêts, plages, cirques? يقول ما هي الوسائل التي يرفه بها المسلم عن نفسه خارج بيته وهل هذا يعتبر من الاختلاط اذا كان المسلم يذهب الى هذه المكان الاماكن المعده لهذا ك يعني الملاهي والحدائق والغابات والبحار يعني شواطئ البحار لا بأس اذهب لشاطئ البحر يبون من دون كشفاء بلاج الذي ليس فيه عراة اذهب للغابة يبون الفوين التي ليس فيها موسيقى ولا عري يبون ميزيك يبون الجون الغابات كثير الفوين سون نومبروز انا من جيتكم هنا يوميا امشي يعني depuis que je suis venu chaque jour je marche ساعة 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 وربع une heure une heure et demie une heure et quart أحيانا أمشي المدة كاملة ما لاحظ ما أشوف أحد يعني parfois je marche donc pendant tout le temps et je croise personne اختار الوقت donc choisis l'heure الذي الناس فيه فيما هم فيه وأنت ترتاح شوي voilà choisis donc le moment où les gens sont occupés à autre chose et toi donc يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم dit ألا إن كل لهو باطل Donc tout amusement est vain. إلا مداعبة الرجل لزوجته. Soit donc lorsque l'homme il s'amuse avec son épouse. أو ملاعبته لفرسه. Ou bien son cheval. أو السباحة. Ou bien la natation. أو الرماية. Ou bien donc le tirage. عندكم أماكن خاصة للرماية. Vous avez des endroits qui sont pour ça. اذهب له. Donc va pour te distraire. اجعل لك ترفيه في البيت أنت مع أولادك. Donc هناك ألعاب بالرماية موجودة تباع في الأسواق. donc chez toi tu peux même هذا وجه من الترفيه. ça c'est une façon de se distraire. النزهة. donc les promenades. النفوس بحاجة إلى استجمام.
Donc les âmes ont besoin donc de changer d'air. Quelques instants de joie. اليوم مصطفى سوى لنا شوي جزاه الله خير. بس أنت ما كليت معنا. يعني لا بد الفرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة. ترتاح النفوس تنشط للعبادة. عبادة 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 عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك لا يجوز أن تصوم الدهر. C'est pour ça qu'il est interdit de jeûner sans interruption. ولا أن تقوم الليل كله. Ni de prier toute la nuit. قال إني أعتزل النساء. Donc parfois je laisse les femmes. قال الآخر أقوم الليل كله. L'autre il a dit donc je prie toute la nuit. قال الثالث أصوم ولا أفطر. Le troisième il a dit je vais jeûner sans interruption. قال النبي صلى الله أما إني أصوم مفطر. Quant à moi, il y a des jours où je jeûne et des jours où je ne jeûne pas. وصلي وارقد. Il y a des moments où je dors et des moments où je prie. وأنكح النساء. Et je me marie avec. والرغب عن سنتي فليس مني. Celui qui ne suit pas ma sunna ne fait pas partie des nôtres. توازن ما بين حاجات الروح. Donc il faut créer un équilibre entre le besoin spirituel. وحاجات البدن. Et aussi le besoin corporel. الدين لا يصادم شهوات الإنسان المباحة. Voilà, donc la religion ne va pas à l'encontre des passions qui sont autorisées de l'homme. Mais il les a organisées. ما حرام. Il ne les a pas interdits. Donc se distraire, c'est quelque chose qui est autorisé. Dans la limite de cadre légiféré. والصغار يتوسع معهم في باب اللهو واللعب. Quant aux jeunes, les enfants sont jeune âge, là il faut leur donner un large moment pour s'amuser. Pourquoi tous les actes d'adoration que je fais, j'ai l'impression ne sont pas acceptés. Pour les عندك شعور انه كل العبادات التي يقوم بها ليست مقبوله. لا بشرك ان شاء الله انك على خير. Donc je t'annonce une bonne nouvelle, tu es sur la bonne voie. وان شاء الله انك على خير. ان شاء الله tu es sur la bonne voie. لا توسوس. Il ne faut pas avoir donc ces doutes. اديت شروطها الصحيحه. Si tu les as accomplis et que tu as réuni les conditions في وقتها الصحيح et que tu t'en as quitté dans son heure على الوجه الصحيح donc de la manière convenable فهي صحيحة elle est considérée comme valable والقبول et l'acceptation عند الله ça c'est auprès d'Allah كلنا نسأل الله يتقبل منا on implore tous la part d'Allah qui l'accepte كلنا نسأل ما حد عنده يقين il n'y a personne qui a la certitude قبلت son adoration a été acceptée. لكن إذا قمنا بها على الوجه الصحيح. Mais si nous l'avons accompli comme il se doit. ظن بالله. En pensant le bien. أنها قبلت. Qu'elle est acceptée. درجاتنا. Les degrés. في القبول. Donc les degrés d'acceptation. تختلف. Là sont différentes. منهم من تقبل عشرها. Il y a celui qu'on lui accepte un dixième. ربعها. Un quart. نصفها. La moitié. ومنهم من ترد في وجهه. Il y a celui qui s'apprête à rejeter contre lui. لماذا? Pourquoi? لاهي. Parce qu'il était distrait. Voilà, il est distrait. ما يدري. Il ne sait pas. On صلى الإمام ركعة صلى ركعة. Si l'imam prie. On صلى خمس صلى خمس. Si l'imam prie cinq. ما يدري كم ركعة بس معه. Ne sait pas combien de ركعة. قلبه لاهي غافل مشغول. Le cœur il est préoccupé loin éloigné. يخاف على هذا. Celui-là on craint pour lui. ما تؤديها على الوجه الصحيح. Cependant, l'affaire comme on il se doit. Donc, الصحيح. Et l'affaire dans les règles. On espère d'Allah qu'il accepte. لا توسوس. Il ne faut pas avoir la chance. Donc, le piercing au nez est-il autorisé? شو تسمونها؟ شيخ سيدي زميل
وهذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من زينة النساء أيضا. وموجود كثير. والمرأة يجوز أن تضع في أي مكان في جسدها زينة لها. بشرط أن لا يكون فيه تشبه. لعباد الشيطان. تعرفون ماذا أقصد؟ اللي يحطون حطت مثلا هنا الأمر واسع جسدها. Le jihad est-il légiféré en islam? Je veux parler donc des frères et des sœurs en islam. Le jihad majeur en islam, sur le jihad, l'imam sur le sourd. Le jihad, d'arwa de sanam l'islam. Le jihad, c'est l'anse la plus élevée de l'islam. من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من نفاق. Celui qui meurt sans avoir jamais pensé à cela, il est mort, il meurt sur une branche de l'hypocrisie. ولكن داعش افساد ليس جهاد. داعش ça c'est une corruption, ce n'est pas un jihad. وكل عبادة لها شروط. Chaque adoration a une condition. نصلي الفجر الآن. On peut prier le Fajr maintenant. لا. عجيب. اتقوا الله عطلتم الصلاة. نصلي الفجر. على وضوء. هذه القبلة. جميع شروط الصلاة متحققة. ما الذي يمنع؟ أقم الصلاة وصلي الآن الفجر. ها؟ شرط واحد؟ مش مشكلة. مش مشكلة شرط واحد. هكذا يقولون. اتقوا الله عطلتم الجهاد. أين الراية؟ لا توجد. أين القيادة؟ لا توجد. أين الاستطاعة؟ لا توجد. جاهد جاهد. هذا شرط واحد مش مشكلة. نقول في فرضية الصيام. نصوم بكرة. الحج بكرة نقف في عرفة. هذا لعب في الدين. كل عبادة لها شروط. الجهاد ليس لعب. دماش لا. On parle de raya. De vie, donc il est nécessaire d'avoir un emblème. Aïna raya. Il est où? Où elle est où? Aïna raya. Harb isabat. Donc c'est une guerre de bombes. Laissez on a quoi l'amour. La qiyada. Il n'y a aucune direction. Ma qaïda. Baghdadi. C'est ce qui l'organise. Aïna le Baghdadi. Le Baghdadi film. Ça c'est un film. Achat de gaïd ou khali. Aïna hua. Qabel Madri. بعد ما ادري اين هو غدا تسمعون جهاد داعش. La femme peut-elle refuser de vivre une situation de polygamie? هل للمرأة الحق في أن ترفض أن يعدل زوجها؟ لو أن المرأة مسموح لها أن تتزوج أربعة. هل تستأذن زوجها بالتعدد؟ ولا تجلس عليه؟ وهو يقول لها أنا إيش سويت؟ أنا ما أدي كل حقوقي. الحمد لله أن الأمر مو بيديك أنت. الأمر بيد الشرع. الأمر بيد الله. لا شك كل أنثى ما تريد زوجها يتزوج. ليس لأنها أنانية تريده لها وحدها. لكن هو زوجها. ولكن إذا تزوج. بشرى لك.
فأصبح عليك نصف حق. بدل حق كامل يصبح عليك النص الحمل، سقط عنك نص كامل. لا، وإذا أخذ ثلاث يصبح فقط تز. وإذا أخذ أربع ليس عليك إلا ربع حق فقط. ترتاحين ثلاث أيام. نصلي؟ صلي. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.